directeur Google que j'apprends du Vaudreuil, je suis directeur surtout de l'enseignement, j'ai des problèmes avec mon masque comme vous pouvez le constater. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Avant tout, est-ce que vous m'entendez bien? Très important, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez aussi Pierre Pinault? Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que vous entendez Pierre? Est-ce que Pierre peut parler aussi? Bonjour à tous. Très important, on a aujourd'hui une petite organisation un peu plus tendue que d'habitude. On a essayé de mettre pas mal de choses en place, d'intégrer un trackman, en tout cas de faire ça bien. On a, comme vous pouvez le constater, toujours en train avec mon masque. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous avez vu Pierre? Est-ce que vous nous entendez bien? Merci de nous stipuler tout ça. Le son n'est pas terrible. Ça commence pas bien. Et si on parle un peu plus fort? Super, ok. Bonsoir Guillaume, non, très faible. Ah, c'est en détente ça. Guillaume, je pense qu'il faut que tu aies les deux. Alors, le son de Guillaume est faible. Est-ce que mon son est meilleur comme ça? Il va m'embêter, mais bon. Le son moyen. Pierre, est-ce que je peux parler fort, s'il te plaît? Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez Pierre? Et là, est-ce que ça va bien? À mon avis, j'ai réussi. Là, normalement, vous allez mieux m'entendre. Non? Non? Ça grésille? Parfait. Pierre, nickel. Bon, bah, c'est bon. Et moi, c'est bon aussi? J'ai essayé quelque chose. Je vous dis, on est dans une grande organisation aujourd'hui. Vous allez avoir une caméra de profil. Vous allez avoir une caméra de face. Vous allez avoir une caméra qui va bouger. Et vous allez avoir un trackman. Donc là, vous avez quatre caméras ensemble, ce qui n'est, bon, ça on n'a jamais fait, on essaye. Donc avant tout, on vous prie avant tout de nous excuser s'il y a des problèmes. Mais en tout cas, je pense que ça va être assez interactif, assez sympa de voir ça aujourd'hui. Et ça marche impeccable. Qui a commencé à jouer? Qui d'entre vous a déjà joué? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous avant que pendant que Pierre s'échauffe un petit peu. Pierre, n'hésite pas à t'échauffer. Après, Pierre va se présenter. Qui sont ceux d'entre vous qui ont eu la chance de jouer? Est-ce que ça s'est bien passé? Racontez-nous en 30 secondes comment ça a été. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Donc là, n'hésitez pas à faire un petit pouce, un petit cœur pour ceux qui ont pris beaucoup de plaisir sur le parcours. Donc, tout est parfait. Ça, c'est une bonne chose. Allez, Pierre, tu t'échauffes. Est-ce que... début très moyen pour Frédéric. À quoi ça sert les masques quand on est seul? Quoi ça sert les masques quand on est seul? Les masques, franchement, on essaie d'être super vigilant, Thierry. Pour nous, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on essaie d'être très vigilant. On a avec nous Maxime Debs, que je remercie, qui filme. On a avec nous aussi Mathias Coustan, un des joueurs de Altus Performance avec nous, qui est là. Qui est un peu le manager de Pierre, on va dire. Donc voilà, Yvan a perdu 12 balles, c'est trop Yvan. C'est trop, qui était avec nous Yvan pour le driving, mais il a fait 7 birdies, donc ça a compensé. Moi, à 6h lundi, sous la pluie, bravo Jean-Christophe. Une bonne leçon de remise en place, oui, nettement mieux grâce à une leçon. Merci Jean-Luc, que j'ai eu en leçon cet après-midi, merci. Un petit peu d'écho, écoutez, on va essayer de faire au mieux, mais ça ne sera peut-être pas tout parfait. Allez, on est parti. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Pierre Pinault. Pierre Pinault, très bon joueur qui va se présenter dans quelques instants, qui habite au golf du Vaudreuil, qui s'entraîne avec nous, avec Altus Performance. Énorme potentiel, garçon très talentueux. Et aujourd'hui, on trouvait ça sympa de pouvoir échanger avec vous et que vous lui posiez toutes les questions que vous voulez. Donc, dans un premier temps, ça va être des questions. Et dans un deuxième temps, je vais demander à Pierre de vous expliquer comment il fait pour gérer les mises en jeu, à savoir comment il fait pour faire un coup où il doit forcément trouver le fairway et un coup où il doit driver extrêmement loin. Donc, ça va être très intéressant qu'il vous explique comment il fait et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Est-ce que vous avez déjà des questions pour Pierre avant même qu'il se présente? Non? Allez, Pierre. Ben, je m'appelle Pierre, ça fait 15 ans que je joue au golf.
fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint Altice Performance pour N'hésite pas à parler un tout petit peu plus fort. un peu plus fort. Ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Altice Performance pour m'entraîner avec Guillaume et disposer des installations du Golfe du Vaudreuil. J'évolue sur l'Alps Tour qui est la 3e division européenne. J'ai terminé 14e du ranking l'année dernière et comme tout le monde, bah, ça fait 3 mois que j'ai pas joué et on reprend les bases avec Guillaume. Donc effectivement, tu n'as pas trop pu jouer depuis quelques temps. Comment néanmoins tu as pu te servir du confinement pour améliorer certaines choses? Qu'est-ce que tu as fait? Donc effectivement, tu étais au Vaudreuil, on était confiné, on n'avait pas le droit de faire grand-chose, il y a des espaces verts, donc tu faisais quelques chips sur ces espaces verts. Et tu t'es servi énormément de la salle de gym. Oui, j'ai fait un peu de putting à l'intérieur sur un tapis. J'ai chippé un peu en bas de mon appartement. Et oui, pas mal de temps à la salle de gym. J'ai beaucoup couru, pas mal de vélo, parce qu'on a la chance d'habiter sur un domaine où on peut courir. Et aussi, j'ai planifié un peu ma reprise, même si on est assez incertain de quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer. Lu un peu quelques livres de golf, regarder des émissions sur le sport, enfin essayer d'optimiser mon temps pendant ce confinement pour pas perdre mon temps quoi. Et est-ce que tu as des nouvelles? Ah, super question. Après, j'ai déjà des questions très sympas. Est-ce que tu as des nouvelles de l'Alps Tour sur lequel tu évolues? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Clairement, bah on est comme tout le monde, on est un peu dans le flou. Pour l'instant, premier tournoi, ce serait 15 août en Autriche. On a tous les tournois du mois de juillet qui viennent d'être reportés à plus tard dans l'année, voire annulés, dont 3 tournois en France, à Metz, Saint-Malo, qui était un tournoi mixte, et la Guadeloupe. Donc 15 août pour l'instant. Et comme le demande Frédéric Santier, que l'on salue, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, dû à ce coronavirus, dû à ce manque de jeu, dû à des tournois, tu ne sais pas quand ça va reprendre. Quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Voilà, je me dis que c'est pareil pour tout le monde et que plus on le prend au positif, mieux ça va être. J'en ai profité pour rattraper quelques retards sur la prépa physique que j'avais et essayer de garder le positif, la tête haute et être prêt quand ça va reprendre. Génial. Allez, on est parti. Avant de commencer, tu vas nous faire quelques coups, mais Sébastien Duftel nous demande quels sont tes points forts. Comment tu peux décrire ton jeu? Quels sont tes points forts, tes points faibles? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta manière de performer? Point fort, je dirais les mises en jeu quand même. Je peux taper assez fort et je suis capable de taper le drive dans toute situation. Le putting, quand je putte bien, je peux rentrer beaucoup de putts. Et voilà, c'est pas mal déjà. Et moi, je rajouterais ta combativité, Ouais, je lâche jamais, mais. qui est quelque chose de très important, parce que c'est vrai quand on parle du jeu, les points forts de son jeu, la performance est liée à beaucoup de facteurs. Et en tout cas, ce que toi, tu as de très, très bon, c'est aussi ta détermination, ton envie de ne jamais rien lâcher, d'être extrêmement combatif. Donc, tu as ces qualités techniques, mais tu as aussi cette capacité d'aller au-delà, mentalement d'aller au-delà. Et on sait, tu travailles avec un préparateur mental qui a fait on va employer un mot un peu médical, mais des diagnostics, et il a, on peut le dire, halluciné sur les diagnostics, et il a déter et vraiment, on s'est rendu compte à quel point tu étais compétent dans l'aspect mental émotion. Et je me répète, pour vous toutes et tous qui nous regardez, qui est un facteur extrêmement important. D'autres questions, mais tu peux continuer un petit peu à t'échauffer pendant ce temps-là. Comment tu gères la pression avant de te taper au tee de départ et lors des attaques de green? En gros, comment est-ce que tu gères la pression? Je suis pas quelqu'un de très stressé. Je relativise vachement, surtout le départ du 1. Je suis jamais stressé au départ du 1. Enfin, j'ai un bon exemple, c'est ma meilleure partie de golf. J'avais 15 ans, j'avais fait double 1 et j'avais fait le record du parcours. Donc, en soi, le départ du 1, il est important, mais pas tant que ça. Et pour la pression, je travaille pas mal sur la respiration. La respiration, essayer de s'occuper l'esprit, manger, boire. Penser à autre chose en fait entre chaque coup, sortir du golf et pas être toujours focus à 100% parce que être focus pendant 4 heures et demie, c'est pas possible.
Génial, génial. Ça, c'est des choses que les gens adorent. Continue à t'échauffer parce que les gens vont adorer. N'hésite pas à nous parler en tapant, Pierre, si ça te va. J'espère que vous ne prendrez pas mal le fait qu'il tape des balles en nous parlant, qu'on profite de cette heure à fond avec lui. Question, quel club pour Pierre dans son sac? Est-ce que tu peux nous parler des clubs que tu as? Ouais, bien sûr, de regarder ce qu'il a. Comme disent les Américains, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? What in the bag? J'ai joué avec beaucoup de wedge parce que vu que je suis assez agressif depuis le départ, je vais avoir besoin d'avoir beaucoup de distance entre 80 et 120 mètres. Donc j'ai 3 wedges, j'ai mon 62, j'en ai 4, j'ai mon 60 degrés, mon 54 degrés, mon 50 degrés et un 46 degrés qui est l'équivalent d'un pitch. Après j'ai des fers du 9 au 4 classique. Un fer 3 un petit peu trafiqué qui est entre un fer 3 et un fer 2 et un hybride de 19 degrés qui me sert un peu de tout, qui peut me servir de faire des attaques de green, des départs un peu serrés où en fait il a un peu le rôle de fer 2 et de bois 3 à la fois et après le driver. Super. Pendant que tu t'échauffes encore, je trouve que c'est très intéressant. Question de Rémi Bedu, que bien évidemment on salue, que tu connais, on va pas dire extrêmement bien, mais plus que ça, qui t'a, on peut le dire, plus qu'aidé, mais qui est une forme de mentor, mais je te laisserai en parler si tu le souhaites. Comment faire, donc la question de Rémi, comment faire pour que l'entraînement ressemble aux compétitions aux conditions, pardon, de la compétition. Bien évidemment, Rémi, toi qui es un pro extrêmement, enfin, formidable, très très compétent, c'est en tant qu'enseignant, bien évidemment, toujours ce qu'on cherche, nous, de réussir à mettre nos élèves dans des conditions, je dirais, de jeu et de pression. Donc hier soir, pour ceux que ça amuse, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Altus Performance Europe et vous verrez quel jeu, je dirais, on va pas dire jeu, on va dire quel challenge on met en place pour que les joueurs on puisse essayer de les mettre en condition de stress, en tout cas en condition de pression, pour essayer de répéter la même chose à l'entraînement qu'en compétition. C'est pour nous, entraîneurs, le but ultime que de réussir à mettre nos joueurs sous pression à l'entraînement. Donc nous, pour répondre à la question de Rémi, bien évidemment, tu pourras y répondre aussi, Pierre, mais ça en même temps, les chiffres, les data. Comment faire pour avoir, je dirais, la même pression en compétition et à l'entraînement, c'est de trouver quelque chose qui ennuie les joueurs. En tout cas, qui a une importance. Et par exemple, pour les jeunes joueurs, Pierre peut-être un petit peu moins, mais ça a de l'importance quand même. La chose la plus importante pour eux, c'est le téléphone portable. Si on les prive du téléphone portable, c'est la catastrophe. Et c'est très compliqué pour eux de passer une journée ou deux sans téléphone portable. Donc nous, on a un exercice qui fait que s'ils réussissent, ils n'ont qu'un essai, qu'un coup. S'ils réussissent, ils gardent le téléphone portable. S'ils loupent, ils perdent le téléphone portable. Donc c'est un moyen comme un autre, mais qui est extrêmement efficace. Est-ce qu'on a d'autres questions? On en a plein d'autres. Alors, qu'est-ce que tu tapes? Faire 6 là. Faire 6. OK. Donc là, vous pouvez voir à droite la trajectoire avec son faire 6. On va s'intéresser aux chiffres de Pierre. Donc là, avec le faire 6, il est à 94,8 de vitesse de club, pour vous donner une idée. Tandis que, un petit peu en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire, il a fait pas mal de gym aujourd'hui, sachant que la moyenne du PGA Tour au faire 6 est dans ces alentours-là, 92 à peu près. Donc là, il est au-dessus. C'est un joueur qui tape assez fort. L'angle d'attaque est très bon, le chemin de club est très bon. Est-ce que tu peux nous parler des trajectoires que tu as, Pierre? J'ai pas vraiment de trajectoire préférée. J'arrive à la taper dans les deux sens, que ce soit fade, draw, basse, haute. Mais la trajectoire que je maîtrise le mieux, sous pression ou du départ, ça va être plutôt un fade assez bas. Donc plutôt le fade. Et après sur les wedges, j'aime bien un peu la travailler en draw pour pas qu'elle spin de trop. Okay. Allez, on rentre un peu dans le vif du sujet.
Échauffe-toi encore un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous faire allez, un ou deux fails? Un petit fail. On voit hein, sur l'écran de droite ce léger fade que Pierre a fait et ce fade qui est dû à si on place ici la trajectoire de l'impact, on va voir que son chemin de club pour faire un fade est de l'extérieur vers l'intérieur, comme vous pouvez le constater ici, de l'extérieur vers l'intérieur avec une face qui est orienté à droite par rapport au chemin, donc c'est ces deux facteurs qui vont créer cette balle légèrement en fade. Est-ce que tu peux nous faire un draw, s'il te plaît? Et là, on voit qu'en deux coups, donc là, il a fait un draw absolument magnifique, on le voit très bien à l'écran. Et là, l'énorme différence par rapport à tout à l'heure est justement ce chemin de club qui, tout à l'heure, était négatif et qui est passé en un coup positif. Et c'est ce qui a changé justement. Là, on voit bien que le chemin de club était à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est absolument génial. Est-ce que tu peux nous faire tout d'un coup une balle un petit peu plus basse, s'il te plaît? Une balle plus basse, on voit très bien à l'écran à gauche par rapport à tout à l'heure était plus basse. Comment est-ce que tu vas justement t'organiser pour faire une trajectoire plus basse, Pierre? Essayer de gripper un tout petit peu plus court, D'accord. balle légèrement plus à droite dans le sens D'accord. et finish plus court aussi D'accord. et un petit peu moins de vitesse aussi. Ok. N'hésitez pas à nous poser des questions. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme trajectoire? Basse toujours. Allez, une basse, ouais. On voit un finish plus court, plus tenu. Quelle distance fais-tu avec ce club? Question de Julien Lapouge. 165, 170 au carré. Boum. Vous avez vu tout de suite, 165, 170 sans voir. Il fait 166,3. C'est vraiment, je dirais, la particularité des très bons joueurs, c'est de connaître leur distance sur le bout des doigts. Si vous, qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez garder ça en tête, ça serait absolument formidable. Gardez en tête que de connaître votre distance, c'est primordial, quelle que soit la distance. Même si vous allez pas la distance que vous souhaiteriez aller, c'est pas grave. Il faut connaître ces distances pour sur le parcours pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc j'insiste, apprenez vos distances, c'est primordial. Je monte un peu en gamme. Monte un tout petit peu en gamme, c'est une très bonne idée. Allez, pour t'échauffer, qu'est-ce que tu souhaites taper? Comme tu veux. Comment, tiens, petite question, est-ce que tu peux nous dire, Pierre, comment tu fais pour t'échauffer? Le matin, tu arrives au golf, tu as un tournoi, comment tu fais pour t'échauffer? Quelle est un petit peu ta routine d'échauffement? Que au golf ou Ah, complète. complète? Déjà, je vais commencer juste après le petit déjeuner pour un départ assez tôt. Commencer par faire un peu de stretching et à la fin finir avec un petit peu de vitesse pour chauffer le corps. Des mouvements rapides, montée de genoux, des petits sprints, des sauts. Combien de temps? 20 minutes, ça sert à rien de faire une heure entière, je pense, pour pas se fatiguer. Et après, je vais aller au practice. Je suis pas quelqu'un qui tape des balles très longtemps avant de jouer. D'accord. J'arrive 45 minutes avant mon départ à peu près. Je commence par le putting. Je commence basique avec un stick, une plaque, un tapis de putting pour checker la technique. Et après, je vais faire un petit peu de dosage sur des longs putts. En général, j'ai un exercice que je fais tout le temps à 6, 8 et 10 mètres avec un stick derrière le trou pour contrôler ma vitesse. Et après, je termine en faisant des putts un peu aléatoires avec de la routine, une seule balle. Pour être vraiment dans le jeu. Après, je vais prendre 3 balles, pas plus, pour pas faire trop de quantité, un petit peu de chipping. Essayer de
de varier les chips, bunker, rough, fairway, pour prendre connaissance un peu de l'herbe, s'il y a eu de la rosée le matin, enfin les conditions de jeu. Et après, je termine aux practices, je tape, je dirais, moins de 10 coups de wedge, 8 coups de wedge, 5 coups de fer 9, 5 coups de fer 6, une... ouais, 5 coups d'hybride et je termine avec 10 drives et après je vois des perdus. T'as pris un petit rescue là, c'est ça? Ouais. Ok, quelle distance à peu près avec le rescue? 215. Là, on voit une trajectoire extrêmement droite. 219,7 de carry. Donc à cette distance, 5 mètres, bien évidemment, c'est pas énorme. Pour vous donner une idée. La dispersion en général d'un joueur professionnel, c'est à peu près 5%. Donc là, on est à beaucoup moins que ça. Celle-ci est partie très légèrement à droite. Plus court, je pense. Elle va être effectivement un peu plus courte. Et on le voit tout de suite, 211 mètres. Donna, ton préparateur physique qui nous suit, qui dit super joueur, super mec. Merci, Donna. On va y venir. Ivan de Bonneville qui nous suit. Cette semaine, il y a beaucoup de vent. Comment appréhender le vent? On va y venir justement parce que je vais questionner Pierre tout à l'heure sur cette question. Ivan, donc on va y venir un tout petit peu. Un des objectifs aujourd'hui était que tu aides notre audience, nos téléspectateurs, à leur expliquer, en tant que joueur professionnel, tu as plusieurs, je dirais, devoirs quand tu joues, c'est de temps en temps mettre la balle sur le fairway parce que le fairway est étroit et il faut vraiment la garder en jeu. Et de temps en temps, il faut que tu la carries loin pour pouvoir avoir un par 5 en 2, peut-être même un par 4. En un, est-ce que tu peux nous parler de ton coup qu'on va appeler safe? Alors, est-ce que tu as un coup safe au driver? Est-ce que tu as un coup safe avec un fer ou un rescue? Et après, nous faire quelques bombes que tu vas envoyer très très loin. Si j'ai un coup safe à faire, je vais jamais taper de petit drive. D'accord. Parce que je considère que si je tape un petit drive, autant taper un rescue ou un bois 3. Après, j'ai mes trajectoires. Je vais avoir ma trajectoire safe et ma trajectoire longue. Donc safe, ça va être un petit fade un peu bas. Et ma longue, ça va être plutôt une haute endro. D'accord. Bon, Même si c'est rare, j'utilise. J'utilise vraiment si c'est large et qu'il n'y a aucun danger. d'accord. Sachant que, j'insiste, tu es un joueur qui joue dans les deux sens. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand tu as posé la question, il y a un sens que tu peux maîtriser mieux que l'autre, mais tu es un joueur qui joue dans les deux sens. Et par exemple, tu veux faire ton fade bas, tu sais que c'est un coup safe que tu vas réussir, et une haute andro pour justement ce qu'on appelle la carrier plus loin, la porter plus loin et avoir plus de distance. Est-ce qu'on peut commencer par ton coup sûr? Sûr. Donc le coup sûr, je vais organiser un petit peu le trackman de manière différente. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir à quelle distance tu pitches, et surtout par rapport au milieu du fairway. Donc c'est l'axe du piquet bleu là-bas qu'on a mis. À quelle, je dirais, largeur tu vas être de ça? Donc là, si on s'intéresse, on voit que la trajectoire que tu avais dit, un léger fade, merveilleux. Et si on regarde ici, alors juste un instant Pierre, et qu'on s'intéresse uniquement aux données du TrackMan, qu'est-ce qui nous intéresse? Voilà ce qui nous intéresse. Pour être sûr d'être sur un fairway étroit, c'est 30 mètres de large. Donc par rapport à l'axe central, le chiffre qui va nous intéresser, c'est le chiffre, pardon, side total, c'est-à-dire par rapport à l'axe de jeu, combien il a fini à droite ou à gauche. Là, on voit que c'est un coup qui a pitché à 241 mètres, qui a roulé à 273 mètres et qui a fini à 16 mètres à droite du milieu du fairway. Donc, c'est un coup qui reste encore en jeu. Est-ce que tu peux nous en faire une avec une hauteur de 25,6? Est-ce que tu peux nous en faire une un tout petit peu plus basse? La hauteur était ici. Bon, ça, c'est un coup un peu accéléré.
Donc on voit qu'elle est plus basse. Elle a pitché à 23, pardon, elle était à 23 mètres de hauteur. Elle a pitché à 242 mètres. Elle a roulé à 269 quasiment. Elle est encore un petit peu à droite. Vitesse de club 114,6. Pour vous donner une idée, c'est la moyenne sur le PGA Tour était aux alentours des 113. 114,5 est la moyenne des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour. Donc c'est une vitesse très impressionnante. On voit que pour la garder basse, il a eu un angle d'attaque négatif, ce qui signifie qu'il a pris la balle en descendant, ce qui est donc extrêmement intéressant. Si vous, comment est-ce que tu peux expliquer aux gens qui veulent faire une trajectoire comme ça, basse en fade, ce qu'il faut faire? Comment est-ce que toi tu t'organises? Contrairement à ce qu'on dit, je vais au driver, je vais jamais la mettre plus à droite. Je vais garder la balle au même endroit, niveau D'accord. distance. Et Est-ce que après. tu vas, je me permets de te poser une ou deux questions, est-ce que tu vas tirer plus bas? Non, parce qu'en fait, si tu tires plus bas, tu la prends un peu dans le bas de la face, donc plus de spin. D'accord. Et donc Donc, tu perds l'intérêt de la mettre basse, à d'accord. mon goût. Donc je la garde un peu haute sur le tee. Et je vais chercher à avoir un petit peu moins d'angle d'attaque. Et être ouvert par en dessous, ce que j'appelle, D'accord. et à la prendre un petit peu plus en descendant avec le corps, en fait, beaucoup moins de mains. D'accord. Donc, à sentir que tu vas mettre plus de corps pour avoir un chemin de club un peu plus extérieur-intérieur et plus en descendant pour faire une trajectoire qui va partir basse, qui va partir plutôt à gauche et qui va finir avec un petit fade pour revenir au milieu du fairway calmement, avec, en gardant quand même un tee assez haut, parce que dans ce système-là, si le tee était trop bas, tu rajouterais trop de spin et tu perdrais en contrôle. Est-ce qu'on est d'accord Exactement, là-dessus? exactement. Ouh, elle est bonne celle-là. Elle finit un tout petit peu à gauche, mais elle est bonne. Donc légèrement à gauche, mais il n'y a absolument aucun stress. Elle est sur le fairway. Elle a pitché à 250 mètres et elle a roulé à 280 mètres. Donc ça, c'est entre guillemets ton coup safe. Est-ce que tu as un autre coup safe avec un autre club dans ton sac? On sait qu'il y a des joueurs qui utilisent des fairs 2, il y en a qui utilisent des J'utilise pas, rescues. pas mal mon hybride. Ok. Bien sûr, tu prends le club que tu veux. Là, l'exemple que j'aimerais prendre pour ce coup-là, Pierre, c'est tu au départ du 18, tu sais que c'est un par 4, assez court, et tu sais que si tu la mets sur le fairway, tu as fait 90% du boulot. Tu sais que le coup derrière sera simple. Donc ce dont j'ai besoin, là, c'est un coup qui soit sûr, mais qui n'aille pas forcément très loin, qui reste dans ces 30 mètres de largeur, en étant... Sans avoir vraiment ce besoin de distance que tu fais. Tous les coups que tu nous as fait tout à l'heure, il n'y en a pas un qui a fait moins de 275 mètres, ce qui est très très long. Là, on n'a pas besoin d'autant, mais on veut vraiment être sûr que ta balle sera sur le fairway. D'accord. Bah après, je trouve que ce qui est important pour ce genre de coup, c'est de se connaître. Je sais, tel club, avec les fers, je vais avoir tendance à rater un peu à gauche parce que vu que je fais un fade, elle reste souvent à gauche et avec les bois, plutôt à droite. Donc après, j'avise selon où est l'obstacle et où est-ce que je ne veux pas mettre la balle et plutôt, je dirais plutôt où est-ce que je veux la mettre. Donc si je dois rater à gauche, j'utiliserai un fer et si je dois rater plutôt à droite, j'utiliserai mon hybride. Ça, j'adore, hein, parce que, et ça, c'est super important, tu n'es pas un bon joueur, tu es un joueur excellent. Et pourtant, tu sais que tu vas louper des coups. Donc, dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'intéressent et qui, ça m'intéresse de les mettre en avant pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu sais que tu vas louper des coups. Et ça ne va pas t'énerver plus que ça, parce que les meilleurs joueurs du monde loupent des coups. Et tu sais où tu vas louper les coups. Et ça, c'est absolument génial aussi. Pour vous qui nous écoutez, c'est toujours intéressant de savoir... De savoir comment vous loupez et ce que vous faites. Ça, j'adore. Allez, Donc faut que là, tu nous la mettes sur le fairway, celle-ci, hein. avec l'hybride, je vais pas vraiment chercher d'effet principal, je vais essayer de la taper assez droite et réduire un tout petit peu la vitesse et normalement elle devrait rester sur le fairway. Ok, génial. Ok, à ton avis, en carry, celle-ci? 220. Il est bon. Hein? Je vous garantis qu'il y a d'écran nulle part. D'ailleurs, tu peux faire un parce que l'écran qu'il y a, regarde, c'est l'écran de tout à l'heure, hein, que les gens se rendent bien compte que c'est un fer 6 et que ce n'est pas du tout la distance. Et que l'écran, tiens, Max, regarde, est ici. Et c'est pas pour. Tiens, Max. Et c'est pas pour faire. Genre, c'est vraiment pour mettre en avant l'importance que ça a que de se connaître.
comme vous pouvez le constater. Ah mais attends, il faut que je te mette à l'écran, mec. Excuse-moi, tu n'es pas à l'écran. Hop là, 221. Je veux bien que tu retournes là-bas pour bien montrer qu'il n'a pas ça devant lui. C'est très important de bien montrer à l'écran. 221 mètres, donc tu as fait. Et tu es 10 mètres à gauche, donc le fairway pourrait même être extrêmement étroit. Il n'y aura aucun problème. Ok, let's go. Il nous en faut une. Bon. Qui soit... Non. Encore plus droite. T'es exigeant, là. Ouais, je suis exigeant. Ah, ça va être mon fer 4. Et elle peut pitcher, celle-ci. Pierre, on t'autorise. Est-ce qu'elle ne pitche pas à plus de... Voilà, tu as le droit de faire, si elle fait que 180 mètres, aucun problème, mais encore plus droite. Ok. Tu as le droit à combien d'essais? Tu as le droit à un essai. Quand tu seras au départ du 18 et qu'il faudra la mettre sur le fairway, tu auras le droit qu'à un essai, tu sais. Est-ce que vous l'entendez toujours? Il a cassé mon écouteur tout neuf. Voilà, pas du tout. À droite, 40 à droite. 30 à droite. Ça va aller. Bon allez, on passe aux choses sérieuses parce que je sens que vous êtes nombreux à nous demander. Donc là, les 11 à droite, il n'y aurait pas de problème. Tu avais pitché à quelle distance à ton avis sur ce coup-là? 192, je dirais. Combien? 192. 192? C'est une blague? Tu as pitché à 192.0. Les gens vont croire qu'on triche là. Donc voilà, on passe à ce qui vous intéresse un peu plus toutes et tous. On le comprend. J'ai fait il y a la semaine dernière, au départ du trou numéro 8 ici, un live sur le fait de driver loin, de la mettre en jeu un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et on sait qu'au 8, ici du Vaudreuil, ce qui est intéressant du fond, c'est de passer les bunkers qui sont à gauche, de carrier du fond, je crois, à 260, 265, ce qui est déjà assez important. Mais on sait que c'est vraiment un avantage. Si tu carries ces bunkers, tu peux vraiment aller au green, tandis que si tu restes court, et ils sont placés vraiment dans le dogleg. Donc là, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'ils veulent voir. En fait, Trackman, c'est lui, dit, excuse-moi, je coupe, Anne-Marie Nathan, c'est un peu ça. Mais je me répète, c'est très important de vous connaître. Allez, maintenant, on rigole moins. Tu veux combien du coup? Plus de 260? Ah, il faut au moins 265 de carry. Est-ce que déjà tu en es capable ou pas? Normalement, oui. ...117 de vitesse de club, 168 exactement, 172 de ball speed. 158,3. Par contre, un coup parfaitement droit. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, pour être tout à fait honnête, 158,3. Alors, regardez, quand je fais ça, ce petit bouton que vous voyez à gauche s'appelle la normalisation. La normalisation, c'est quoi? C'est le Trackman a cette capacité, en fonction des conditions climatiques, de... rééquilibrer la distance entre, c'est les conditions, là ce que vous voyez, de jeu normal, quand j'appuie ici, c'est les conditions s'il n'y avait pas de vent. Donc sans vent, c'est un coup qui aurait carrié à 275 mètres, qui aurait été 2,5 à droite du milieu du fairway, j'insiste, c'est le milieu du fairway. Si je prends cette vue-là, c'est vraiment le milieu du fairway. On voit à peine la trajectoire tellement cette balle était droite. Donc, c'est vraiment le milieu du fairway. Mais là, bah, vent de face, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et on va garder cette configuration parce qu'il faut savoir jouer avec les conditions. Donc, Pierre,
Tu as fait 258 mètres avec une vitesse de swing impressionnante. Est-ce que tu vas avoir la capacité d'aller un petit peu plus loin, toujours en la gardant droite, c'est-à-dire ce side total n'a pas le droit d'être à plus de 20 mètres à droite ou à gauche. On sait que, allez, 22 mètres, on sait que le fairway fait 45 mètres derrière ce bunker. Ça va être dur de faire mieux que ça. Boum. 116,7 de vitesse de club pour 173 de ball speed. Un carry avec les conditions de jeu à 270 mètres. Et elle a roulé à 294. Elle est 17,4 à gauche, donc elle est parfaite. Sans le vent, elle aurait carrié, pardon, à 277 mètres. Donc ça, c'est des drives qui font, je pense, rêver un peu les gens qui nous regardent, mais c'est l'objectif. Bonjour à toutes et à tous, hein, ceux qui nous rejoignent. Vas-y, vas-y, Pierre, vas-y. Sans te faire mal, bien sûr, mais n'hésite pas. On rappelle pour ceux qui nous regardent que la vitesse de club moyenne sur le PGA Tour est aux alentours de 113, que les 70 meilleurs sont plutôt aux alentours des 115, que la vitesse de balle est aux alentours des 168. Ball speed, là on est à 171, celle-ci n'était pas très bien prise, mais une vitesse de club absolument impressionnante, puisque 120,3 de vitesse de club, c'est tout à fait impressionnant. Donc c'est plutôt bien. 273 de carry, toujours très droite. Est-ce qu'on peut t'en demander un petit peu plus? La même chose avec un peu de draw. C'est-à-dire une balle qui va vraiment sortir à droite de notre axe et qui va finir au milieu. Magnifique. Ah, magnifique. Peut-être un tout petit peu trop à gauche. Donc vitesse de club impressionnante, 123. Beaucoup de spin, non? À ton avis, combien de spin? Je dirais 2800. 2756. Alors, Sébastien Rabine, à qui je fais un grand, grand, grand bonjour. Sébastien Rabine, j'ai le droit d'en parler, donc je vais en parler, avec qui nous avons plus qu'un projet au Golf PGA France du Vaudreuil, mais avec qui Oh, pardon, mon masque, je suis désolé. J'ai vraiment du mal avec ça. Sébastien Rabine, que je salue, qui m'aide à monter, pas un projet, mais maintenant un produit qui va être une association entre Altus Performance et l'American Business School au Golf du Vaudreuil à partir du mois de septembre. Donc des études américaines avec un entraînement de qualité au Golf PGA France du Vaudreuil, avec qui je fais ça. Bonsoir, est-ce que je peux acheter en ligne de suite son swing? Je te promets, je te donne son numéro de téléphone et je te laisse voir avec lui, Sébastien. Et je suis sûr qu'il sera ravi de faire une partie avec toi au Vaudreuil. Angle d'attaque de Eagle Bobby. Très très bonne question. 6-1 sur la dernière, 118-2 de ball speed. Donc l'angle d'attaque qui est, parce que c'est une très bonne question, qui est la manière dont le club se présente dans la balle. Vous n'avez plus besoin de me voir. 6,1 chemin de club, 1,5 de l'intérieur. Vitesse très grosse, hauteur de balle, 265 carry. De temps en temps, un petit peu trop de spin. Clairement, les balles de practice que l'on a, elles étaient prises dans le bas du club. Pierre me signale. Et on le voit ici. Alors, je n'ai pas mis driver pour modéliser, mais on voit qu'elle a été prise dans le bas du club, comme il peut le ressentir. Est-ce que tu peux nous en taper une, s'il te plaît, en plein milieu de la face, ou nous dire en tout cas où tu ressens l'impact? Pointe haute. Ouais. On s'est trompé. Était longue. Il ne le prend pas tout le temps, hein, mais on va voir s'il le prend. C'est une nouvelle fonction, hein. Nouvelle fonction de Trackman. On doit normalement calibrer le club, chose qu'on n'a pas fait avant, qu'on aurait dû faire. C'était encore une très bonne trajectoire. Est-ce qu'on peut répondre à vos questions? Si vous avez des questions, c'est le moment.
N'hésitez pas. Impressionnant de calme et de lucidité. Bonjour Bernard de La Fournière qui nous suit régulièrement. Enfin tous, maintenant vous nous suivez régulièrement, on vous remercie. Impressionnant de calme et de lucidité, absolument. Quelle maîtrise de ces données de Sébastien, bien évidemment on est d'accord. Andro, angle d'attaque, donc on a répondu. Il envoie la balle à 300 mètres, un équilibre parfait à la fin, c'est incroyable. Rémi Bedu, oui, mais je pense que tu es en grande partie responsable de tout ça, Rémi. Sébastien Duftel a quelque chose à te dire. Pierre, j'ai un départ à 9h03 samedi. Je t'invite à faire mes mises en jeu. Vous vous débrouillez, messieurs, hein, je vous laisserai tout ça. Peut-il driver Andro pour une distance maximum? Oui. Sébastien Duftel, j'ai loupé le début. Quel âge a-t-il? 21. Bientôt 21. 22. Enfin, bientôt 21. Je ne sais plus ce qu'il dit, excusez-le. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces si vous trouvez ça sympa. Les femmes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des cœurs pour Pierre si vous le souhaitez, bien évidemment. Encore quelques-unes parce qu'on sait que le drive est quelque chose qui vous passionne. Autant de rôles, les gens aiment bien. Celle-ci est parfaite. Celle-ci est parfaite. Hop là, je vais remettre les data. Hop, est-ce qu'il a tout eu? Celle-ci était très très lourde pour info. Hop là. Voilà, 115, 173 de ball speed, 277 carry. Je me répète, avec les conditions de jeu où il y a quand même un tout petit peu de vent, si on normalise 279 carry, 297 total, ce ne sont pas des mètres, hein. Ce ne sont pas des yards. Gardez en tête que ce que vous voyez sur le PGA Tour en général, avec ce que donne le PGA Tour, c'est en général en yards, là c'est en mètres. Pour ceux qui nous ont posé la question, voilà comment Pierre délivre le club dans la balle, et ça c'est très très important pour moi, primordial même. 7 manières-là, cette ligne grise que vous avez au milieu et l'axe de jeu. Donc, on voit que Pierre a un club qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur avec une face de club qui va être très légèrement orientée à gauche au moment de l'impact, ce qui va donner ce très joli draw. Et si on regarde de côté, son angle d'attaque est de 5,6. Le loft au moment de l'impact est de 16,1. Il a un taux de spin qu'on aimerait un tout petit peu plus bas. Nous, on cherche quelque chose autour des 2000, presque un peu en dessous, parce qu'il a ce qu'on appelle un launch angle, c'est-à-dire sa balle décolle très vite. Si en plus de ça, elle peut planer le plus longtemps possible avec le moins de spin possible, c'est tout à fait idéal. Moins de spin ? Allez, on essaie moins de spin. Comment tu vas faire pour qu'elle ait moins de spin? Je vais essayer de la prendre un tout petit peu plus haut dans la face et avec un petit peu moins de loft. Ok, bougeons pas, je sais plus ce que je raconte. Donc comment on va faire? On va essayer de regarder justement s'il peut la prendre un tout petit peu plus haut dans la face. Donc j'utilise cette bombe qui est juste prêt, on va mettre. J'en ai un tout petit peu trop, mais il n'y a pas de problème. On attend que ça sèche. C'est une bombe, il faut juste en appliquer un tout petit peu en général. Mais là, sous l'excitation d'être avec vous, j'en ai mis un peu trop. Celle-ci est prise dans la haut, parce qu'on voit tout de suite à la trajectoire qu'elle est partie un tout petit peu plus haute. Elle va être un peu moins spinante. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Attends, bougez pas, je change de caméra. Un peu là, ouais, on le voit bien. Voilà, j'ai mis beaucoup trop de. Un peu là. Ah, oh, il n'a pas pris de spin sur ce coup-là, ce qui peut arriver par moment, mais zéro problème. On va en refaire une. Donc, pareil, une balle qui avait pitché à 263 mètres, ce qui est plutôt pas mal. Vitesse de club de quasiment 118. Prise. Plein centre. Et là, on voit plein centre, on le voit très bien par rapport à la précédente. Ouais, super. On voit que celle-ci, donc en haut, était la première, celle-ci est la deuxième. Et un tout petit peu trop de spin encore.
On sait On sait aussi aussi que, que voilà, c'est voilà, pas les c'est pas balles les que balles que Pierre joue en Pierre joue en général. général. Pierre, tu joues Pierre, tu quoi joues comme quoi balle en comme balle en général? général? Je joue bah, des TaylorMade, elles sont un petit peu plus dures. D'accord. Un peu plus dures, donc un peu moins de spin. Et voilà. Ok, super. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Quelle est, depuis que tu joues, Pierre, question de Pierre Chamu, que j'ai Que j'ai pas pu pas pu apercevoir tout à apercevoir tout à l'heure l'heure au Vaudreuil. J'espère Vaudreuil, j'espère qu'il s'est fait plaisir sur plaisir le sur le parcours. parcours. Quelle est sa Quelle est meilleure sa carte meilleure depuis carte qu'il depuis qu'il joue? joue? Et quelle est ta Quelle est meilleure ta carte meilleure au carte au Vaudreuil? Vaudreuil? Ma meilleure carte, c'était l'année dernière en Espagne. J'ai fait moins 10, 62. Mais le parcours, c'était. J'avais gagné à moins 28, donc c'était un petit peu normal. Mais sinon, pour moi, ma meilleure carte, c'était 63 en Afrique du Sud. Je me souviens plus du nom du parcours. Et ici, ça doit être. C'est 65 au programme du Challenge Tour l'année dernière. 65 l'année dernière au mois de juillet pour répondre à la question de Pierre. Question Question de de Anne-Marie Anne-Marie Nathan. Nathan, Quelle est quelle est votre votre routine de routine de visée? Comment visée? est-ce que Comment tu est-ce fais que tu pour fais pour viser? viser? Bah, très simplement, comme on l'apprend au début de champ, avant de jouer, je vais me mettre derrière la balle. Je vais faire une ligne avec mon club et je vais prendre un point de repère un petit peu moins d'un mètre devant la balle pour m'aligner. Je vais m'aligner sur ce point et quasiment pas penser à la cible. Et juste au dernier moment, je vais vérifier que je suis quand même bien aligné à la cible et que je ne me suis pas trompé de point de repère. Ce qui est toujours très intéressant avec Pierre, et j'espère que vous êtes d'accord avec ça, c'est que tout ce qu'il fait est très simple. Très simple, ça ne veut pas dire simpliste et ça ne veut pas dire quelque chose de trop basique, j'insiste. Simple, c'est très bien. Je ne dis pas basique, je dis bien simple. Et vraiment, inspirez-vous de ça, c'est toujours très intéressant. Je pense, Pierre, qu'on devrait plus souvent faire des Facebook Live comme ça. Alors, tu drives en général très bien, mais là, c'est plus particulièrement pas mal. 117,3 de vitesse de club. Là, le spin est plus bas, bien évidemment. 2100, 265 de carry. Je me répète, dans ces conditions-là, 275 sans vent. Elle est toute droite. On le voit très bien évidemment, à cette trajectoire que vous avez ici en vue 3D avec le Trackman. Donc, c'est excellent. Excellent. D'autres questions? N'hésitez pas, N'hésitez hein. pas. Ah, très bonne question de Ludo Ludo Baldec. Baldec. Quel est Quel est selon selon lui lui ce ce qui qui lui lui manque manque pour pour rejoindre les rejoindre les meilleurs? meilleurs? Pour l'instant, c'est le jeu de fer. J'ai un bon jeu de fer, mais je vais jamais me mettre assez près des drapeaux. Donc, c'est le point que je cherche à améliorer et j'ai bien progressé cet hiver, même si pour l'instant, j'ai pas eu le temps de voir si c'était le cas en compétition. Et après, bah, de l'expérience un peu, parce que c'était ma première année pro l'année dernière, donc j'ai pas fait forcément les bons choix sur les tournois, où j'aurais peut-être pu mieux arranger ma saison en jouant pareil au golf. Et puis après, un petit peu d'expérience au niveau de la tactique, faire les bons choix de club au bon moment. J'ai un souvenir l'année dernière où j'ai peut-être pas choisi le bon club sur un trou qui m'a coûté assez cher. Et c'est des erreurs que je referai pas dans le futur. Donc, Donc, moi, en moi, tant en que tant que coach, pour coach, pour répondre, répondre, déjà, il déjà, a il a énormément énormément évolué, évolué, physiquement physiquement depuis depuis maintenant, maintenant un un an. an, Énormément, 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 ce qui ce fait qui que fait son que son club va plus club va vite. plus Il vite, bouge très très bien, de bien, de manière manière très très régulière. régulière. Donc, c'était Donc, un c'était un point, le point, le physique, physique, qui qui va va lui lui permettre permettre de de gagner gagner de de la la distance. distance. Plein de choses. La deuxième chose, c'est que mine de rien, quand tu es arrivé ici, le Quand tu arrives driving ici, n'était le pas un de tes driving points n'était pas forts. un de tes Ça points l'est forts. Ça l'est vraiment vraiment devenu. devenu. Je Je pense que pense j'ai que pas j'ai pas besoin de besoin vous de vous de vous l'expliquer l'expliquer plus plus aujourd'hui. Vous aujourd'hui. le Vous le voyez. Et voyez. ce Et qui ce est qui est intéressant intéressant avec avec justement justement notre notre organisation, organisation, c'est c'est que que vous vous le le voyez voyez avec avec le le trackman. trackman. Donc Donc le le driving driving est est énormément énormément progressé. progressé. Et bien Et bien évidemment, évidemment, l'expérience. l'expérience. Mais cet Cet hiver, il a hiver, fait il a un fait un hiver hiver très très solide. très Il solide. devient Il extrêmement devient solide. extrêmement Et solide. les Et les manques qu'il manques qu'il avait avait effectivement effectivement dans dans son son jeu jeu se se sont sont atténués atténués pour, pour, à à mon mon avis, avis, faire faire de de très 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 belles belles choses choses cette cette année. année. On On ne ne sait sait pas, pas, mais mais en en tout tout cas cas dans dans les les années années à à venir, venir, c'est c'est certain. certain. Mais Mais j'insiste j'insiste sur sur le le côté, côté, parce parce que que ça ça peut peut paraître paraître bizarre, bizarre, mais mais sur sur le le côté côté simple simple que que Pierre Pierre a, a, qui qui n'est n'est pas, pas, je je me me rappelle, rappelle, simpliste, simpliste, mais mais il il fait fait les les choses choses juste juste comme comme il il faut faut les les faire, faire, en ayant une analyse parfaite de qui il est, de ce qu'il fait, de ses points forts, de ses points faibles, sans essayer de trop changer qui il est, qui sa est, sa manière manière d'être. d'être.
et en allant un tout petit peu là où ça n'allait pas, à savoir besoin pour aussi mieux driver et taper plus fort de faire de la préparation physique, de bien comprendre aussi la mécanique dans son swing. Et pour le jeu de fer, pour moi, ce qui le rend fort, mais avec le driving, peut par moment être préjudiciable sur les jeux, sur le jeu de fer. C'est qu'au driving, comme vous l'avez constaté, il a cette capacité de faire le fade, le draw de manière parfaite. Et sur un drive, ça, il n'y a pas de problème. Sur les coups de fer, je trouve ça intéressant d'avoir une trajectoire sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est ce qu'on travaille, qui est vraiment une trajectoire un peu plus sûre et qui manie moins la balle, qui peut parfois lui donner presque trop de possibilités et s'y perdre un peu. D'avoir un coup un peu plus basique sur les coups de fer qui va répéter plus facilement. On est d'accord? Exactement. Frédéric Santier, je rêverais d'avoir 40 ans de moins pour jouer comme lui. Ah, question intéressante de Eric Gazeux. Est-il en apnée sur l'ensemble du mouvement de son swing? Est-ce que tu es en apnée? Alors, j'y ai jamais pensé. Oui, je suis en apnée du début jusqu'à l'impact, je pense. De l'adresse jusqu'à l'impact. D'autres questions? Trop de caméras. Je vais en tirer quelques-unes. Oula, plein d'autres questions. A-t-il un objectif de classement? Le classement. Je vais y Je vais y répondre pour répondre pour Anne-Marie Nathan, Marie-Nathan, fidèle fidèle internaute internaute aussi. aussi. Alors, Alors, en en plus, plus, a-t-il a-t-il un un objectif objectif de de classement? classement? Aujourd'hui, c'est assez compliqué dans le milieu où il n'y a plus de tournoi, donc c'est très difficile de se projeter. Après, je pense que c'est souvent aussi plutôt un objectif de moyen. C'est-à-dire le classement, pour moi, Anne-Marie va découler de mettre, je dirais, ce qu'il faut en place, d'avoir une bonne routine, de s'être entraîné comme il faut, que ce soit la préparation physique, la préparation mentale, la préparation technique. Et c'est plus, je dirais, des objectifs de moyens que des objectifs de classement pour Pierre, de tout bien faire. Et c'est vraiment ce qu'il met en place pour que pour que justement les justement les résultats résultats arrivent. arrivent. Est-ce que Antoine, Victo, allez, deux ou Allez, trois deux ou trois questions. questions. D'abord, D'abord, Clément Clément, Desclos Desclos Cassagne, Cassagne, quelles sont quelles les sont les clés clés techniques techniques de de ton ton swing? swing? J'ai beaucoup travaillé sur mon grip, j'avais un grip très fort avant, donc c'est quelque chose que je vérifie souvent, même si ça se dérègle un petit peu moins. Je vais avoir le rythme, parce que vu que je monte pas mal et que j'ai pas mal de vitesse, si je suis pas en rythme, en général ça se passe pas bien, voire pas bien du tout. Et après, toujours cette intention de fade, à être, essayer d'être un petit peu plus ouvert avec le bas du corps et de prendre la balle un peu plus en descendant, avec les poignets plus en avant. Super, parfait. Quelle est Quelle est l'ouverture de ton l'ouverture de ton driver driver en en statique? statique? Il est à 9,5 moins 1, il est à 8,5. Allez, est-ce que tu Allez, peux est-ce que expliquer tu peux l'histoire de ton expliquer driver? l'histoire de ton driver? Histoire de driver. Si tu as le droit de Alors, bah, l'expliquer. Comme vous comme vous voyez, voyez, il il est est assez assez usé. usé. C'est C'est pas pas la la dernière dernière génération génération que que j'étais j'étais Lorman, Lorman, mais mais j'avais j'avais des des gros gros problèmes problèmes de de driving. driving. Et Et le le fitter fitter de de chez chez Lorman Lorman m'envoyait m'envoyait une une tête tête avec avec un un centre centre de de gravité gravité un un petit petit peu peu en en pointe. pointe. Et Et en en gros, gros, mon mon raté raté classique, classique, c'était c'était un un peu peu un quick hook, hook, touché touché en en pointe. pointe. Ce Ce qui qui fait fait que que quand quand je la je la touche touche en en pointe, pointe, ça ça me me fait fait un un petit petit peu peu moins moins d'effet. d'effet. Et Et quand quand je je la la tape tape au au centre, centre, mon mon petit petit fade fade que que je je cherche cherche à à faire. faire. Et Et je je pense pense que que je je serais serais capable capable de de jouer jouer tous tous les les drivers drivers maintenant, maintenant, mais mais c'est c'est un un petit petit peu peu mon mon driver driver de de cœur cœur et et j'ai j'ai du du mal mal à à changer. changer. Même Même si si à à chaque chaque fois fois que que je je reçois reçois les les nouveaux, nouveaux, je je les les essaye, essaye, mais mais c'est c'est toujours toujours celui celui qui qui finit finit dans dans le le sac. sac. Question Question de de Sébastien Sébastien pour pour moi, moi, Guillaume Guillaume Biogeau. Biogeau. Question Question délicate. délicate. Que Que manque-t-il manque-t-il à à Jordan Jordan Spieth Spieth pour pour revenir revenir dans dans le le top top 10 10 et et gagner gagner à à nouveau nouveau de de mieux mieux driver, driver, Sébastien? Sébastien? De De mieux mieux driver driver de de la la même. même. S'il S'il pouvait pouvait driver driver comme comme lui, lui, ça ça serait serait pas pas mal. mal. Tout petit peu à droite. Alors, est-ce que vous voulez qu'il vous fasse un coup en particulier? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Question de Question de Eagle Eagle Bob Bob Daly. Daly. C'est C'est possible possible d'ouvrir d'ouvrir
de plus le plus pied le pied gauche pour gauche voir pour voir si si ça augmente ça la augmente vitesse de la la tête vitesse de de la tête de club. club. En ouvrant, est-ce En que ouvrant, est-ce que ton ton pied pied gauche un gauche petit un peu, petit ça peu, ça augmente la augmente la vitesse vitesse de de ta ta tête tête de de club? club? D'accord. D'accord. Bah, Bah, après, après, il il est est déjà déjà assez assez ouvert ouvert de de base. base. Mais Mais pourquoi pourquoi cette cette question? question? Je Je me me doute. doute. Attends, on va regarder de face. Pour augmenter la rotation dans les deux sens et augmenter un peu la vitesse de club, on va essayer. Dis-moi quand t'es bon. Ouais, je suis bon, je suis bon, je suis au top, moi. On a augmenté la vitesse. Est-ce que tu as accéléré un peu plus que d'habitude ou pas forcément? J'ai joué à fond comme tout à J'ai l'heure. joué à fond comme tout à l'heure. Un peu Un moins de peu moins de vitesse, vitesse, 115 de 115 de vitesse. vitesse. Tout petit peu. Là, on voit qu'il fait un peu Fait un plus peu froid. plus D'ailleurs, je froid, ne sais je pas sais si pas vous le si vous sentez, le les balles sentez, vont les un balles peu vont un moins peu loin. moins loin. Allez, on Allez, finit on sur finit sur encore une ou deux encore une ou deux questions. questions. Et on Et on passe, passe, et on et vous on vous laisse laisse malheureusement. malheureusement. Si Si ça vous ça a vous plu, a plu, n'hésitez pas à n'hésitez un pas des à un pouces, des des pouces, des cœurs, pour cœurs, pour qu'on nous qu'on nous autorise autorise à à revenir, revenir, que que Pierre Pierre soit soit autorisé autorisé à à revenir revenir aussi. aussi. Allez, Allez, on est en on est fin en de fin de journée, journée, Pierre. Comment Pierre. est-ce que Comment tu est-ce vas que finir tu ta vas séance? finir ta séance? Bah là Bah là justement justement je je prenais prenais un un sandwich sandwich pour pour terminer terminer calmement calmement et et je je vais vais avec un en objectif général particulier. au swing. Non, sur Non, ce sur petit ce coup petit pour coup pour finir, est-ce finir, que c'est est-ce des que c'est des sensations, est-ce sensations, que est-ce c'est que le c'est fait le de fait te de calmer, calmer, est-ce est-ce que que c'est c'est de de trouver trouver quelques quelques distances, distances, ou ou c'est c'est juste juste du du plaisir plaisir et et du du centrage centrage et et de de et et de de calmer calmer parce parce que que et et de de calmer calmer la la machine machine en en fait. fait. Ouais, Ouais, je je calme calme un un peu peu la la machine. machine. Je Je trouve trouve que que même même si si je je tape tape très très bien bien driver, driver, j'ai j'ai toujours toujours une une préférence préférence à à taper taper des des wedges, wedges, parce parce qu'on qu'on peut peut manier manier la la balle, balle, lui lui mettre mettre du du spin, spin, donc donc le le contact contact de de la la balle. balle. Et Et donc donc je je vais vais terminer terminer là-dessus là-dessus et et voilà. voilà. Et Et essayer essayer de, de, je je vais vais viser viser une une cible cible et et essayer essayer de de la la toucher toucher avec avec un un effet effet ou ou quelque quelque chose chose comme comme ça. ça. D'accord. D'accord. Est-ce Est-ce que, que, tiens, tiens, pour pour finir, finir, est-ce est-ce qu'on qu'on peut peut faire faire un un petit petit jeu? jeu? Allez. Allez. Tu Tu joues, joues, tu tu nous nous donnes donnes la la distance. distance. Ça Ça vous vous va va pour pour finir? finir? Ou Ou alors, alors, certains certains d'entre d'entre vous vous peuvent peuvent nous nous donner donner la la distance. distance. Allez, Allez, on on va va faire faire la la distance distance au au carry. carry. Et Et je je vais vais laisser laisser aussi aussi le le spin. spin. Plus Plus il il y y a a de de spin, spin, plus plus la la balle balle s'arrête s'arrête rapidement. rapidement. On On sait sait que que vous vous êtes êtes toutes toutes et et tous tous un un peu peu fans fans de de spin. spin. Donc Donc je je vais vais aussi aussi mettre mettre le le spin. spin. Et Et c'est c'est parti, parti, quand quand tu tu veux. veux. Je Je tape tape et et je je te te dis dis la la distance. distance. Ouais, Ouais, pendant pendant que que la la balle balle est est en en l'air. l'air. Sans normalisation pour info. Okay. Bon, spin rate de fou parce De qu'on est fou parce au-delà qu'on des est au-delà 10 000. des Hein. 10 000, hein. 95, 95, 3. 3. Normaliser 98. Est-ce que tu préfères normaliser ou pas normaliser? Je préfère normaliser parce que je sens pas le Ok, vent. normaliser. 98 normalisé. Donc normaliser, c'est sans vent. Cent deux, 102. 99,5. 99. On parle de 2 mètres et demi, hein. 1 mètre et demi, 2 mètres et demi, on est vraiment, hein, tout proche. Ah, un peu fatigué là ce soir. 105, 104. 104,6. Elle est tombée plus courte que les autres. Avec la Normaliser, c'est normalisation, bon. sans la Sans normalisation. normalisation. Allez, Allez, c'est moi qui vais te c'est moi demander qui un vais te peu demander un maintenant. peu maintenant. Je veux Je veux 80. 80. Je Je veux veux 80. changer Oui, alors, il se peut qu'il ne. Il se peut qu'on ait un problème à un problème 80, à tout 80, simplement, tout parce que simplement, parce que le le Trackman Trackman n'est n'est pas pas un un bon bon outil, outil, c'est c'est un un outil outil extraordinaire, extraordinaire, mais mais qui qui peut peut avoir avoir des des problèmes problèmes de de temps temps en en temps, temps, car car vous vous le le voyez voyez au-dessus. au-dessus. Ça peut nous cacher la balle. 73. 76. 76. Quatre-vingt-cinq, s'il te plaît. 85. Ouais. Carré. Carry, toujours carry normalisé. Huit. 88,5. 88,5. Plique-toi, s'il te plaît. La vue de La vue de face face pour pour qui nous a demandé ça? demander Philippe ça, Philippe Tibeuf. Tibeuf. Allez, on va être très très précis. Très précis. 102. 102.
Ah, elle est longue. 107. 107,7. 107,7. Et des. Alors, le chiffre est tellement important qu'on ne le voit pas. Il est à plus de 10 000 RPM, c'est tour par minute. Donc, c'est extrêmement important. Une balle qui sera arrêtée très vite. 55. Ah, bah oui, il faut s'adapter, monsieur. Hein. Allez, à chaque fois qu'il est à moins de quelques mètres, vous mettez un cœur. Allez, moins de. Allez, à moins de 5%, ce qui est énorme sur du wedging, un cœur. On a dit quoi? 55. Hein. Il se peut que le trackman ne l'ait pas et qu'on s'excuse de ça. 60. J'avais dit quoi? 60. Ah, 64. Pas de cœur. Pouce vers le bas. Allez, pouce vers le bas. 50. 50. Non, pas de cœur. Pouce vers le bas. Écoutez, il n'a pas réussi, hein. Oh, elle est tellement longue. Très longue. 57. 59. 9. On avait dit La 50. dernière. Alors, on va faire autre chose. Dernière balle. Dernière balle. Dernière Si balle. tu Tu réussis réussis des cœurs, des une cœurs, tonne de une tonne cœurs. de cœurs. Si tu ne réussis Si tu ne réussis pas, pas, 20 pompes 20 pompes. devant tout le monde. Devant tout Allez, le c'est monde. parti. Allez, c'est parti. Quelle distance? Quelle distance? Quelle distance? 75. 75 75. par Par l'assistant l'assistant. Mathias Coustan, agent. Agent. Hop, 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 hop. Hop, N'hésitez pas comme ça N'hésitez à pas comme déranger ça le à joueur, déranger hein, le les coachs, joueur. hein, j'aime bien. Donc on a dit On a dit 75. 75. Alors, Alors, 60, 60 de de 68 68 à à 82, 82, c'est bon. c'est bon. Ça fait 10% ça. C'est vrai. C'est Non, non, vrai. je me suis Non, complètement je me suis trompé. complètement trompé. On a dit quoi? On a dit quoi? 75. 75. Allez, entre Allez, 70 et 70 et 80. On est 80. sympa On est avec toi. Entre sympa. 70 et 80, 80. des Des pouces, pouces, au-delà, des au-delà, pompes. des Est-ce que ça pompes. vous Est-ce que ça va? vous va? Elle est bonne? Elle est courte. 72. 77 et on avait dit et on avait dit 75. 75. Ah, vous pouvez y Ah, vous aller. pouvez y aller. Oh non, Diego Oh non, Tardi, Diego Tardi, non, c'est trop non, tard. c'est trop S'il tard. réussit, S'il le coach réussit, fait le des pompes. coach Non, fait c'est des pas une pompes. bonne Non, c'est idée, pas une ça. bonne idée, ça. On voudrait pas qu'il se blesse. Bon, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions? Merci beaucoup, bien Merci beaucoup, évidemment, à évidemment, Pierre. à C'était, Pierre. je C'était, pense, je assez pense, assez formidable. Si vous formidable. avez Si vous aimé, avez n'hésitez aimé, n'hésitez pas, pas à mettre des à mettre pouces. des pouces. Si vous n'avez pas Vous aimé, n'avez pas n'hésitez pas à aimé, mettre n'hésitez des pas à pouces mettre vers des le pouces vers bas. le bas. Des Des cœurs, je cœurs, pense je que c'était pense que assez c'était sympa. assez On le sympa. On le refera, refera, régulièrement. régulièrement. Vous avez été très Très nombreuses nombreuses et et très très nombreux nombreux à à nous nous suivre. suivre. On On sait sait que que tout tout le le monde monde a, a, a a de de nouveau nouveau du du boulot, boulot, que que les les choses choses se se sont sont un un peu peu calmées, calmées, que que vous vous êtes êtes nombreuses nombreuses et et nombreux nombreux à à être être retournés retournés travailler. travailler. Donc Donc c'est c'est normal normal que que vous vous soyez soyez moins moins à à nous nous suivre. suivre. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre. Un Merci petit mot de la Pierre. Un fin, petit mot de la Pierre? fin, Pierre. Bah, Bah, merci merci à à tous tous et et bon bon golf. golf. Merci à vous toutes Merci et à à vous toutes et à tous. vous tous. N'hésitez pas, N'hésitez des cœurs et pas, des des cœurs et pouces. des pouces. Et à Et à demain, demain, 18 h, 18 h, pour pour notre notre débat débat de de la la semaine. semaine. Et Et notre, en tout notre, en cas, tout toute cas, l'équipe toute se l'équipe se retrouve retrouve avec un avec un sujet très sujet très sympa. sympa. Mon frère qui veut que je fasse des pompes Aussi, aussi, c'est pas très pas sympa très ça, sympa. frérot, quand même. Que bien Que évidemment bien évidemment j'embrasse. j'embrasse. Et merci à Et vous merci à toutes vous et à vous toutes et à tous. vous À tous. demain, À demain, 18 h, 18 h pour pour le le dernier live dernier de la live de la semaine semaine où où toute l'équipe sera l'équipe sera réunie. réunie. Et ça sera Et très ça sera sympa très avec des sympa sujets avec qui des vont être sujets qui top. vont être top. Donc je vous dis Donc à je vous dis demain, à demain, merci et à très merci et vite. à très vite.